Menu de ce téléfoot, la 27e journée de championnat Monaco-Cannes comme match du jour. De larges extraits également des matchs Le Havre-Matra Racing de Paris, Marseille-Nantes et PSG-Toulon, tous les autres buts de la soirée et le but de la semaine bien sûr. Nous reviendrons sur la Coupe d'Europe avec en particulier les rencontres Bordeaux-PSV et Rovaniemi-Marseille. Pour le reste de cette soirée européenne, nous n'insisterons pas sur les buts que vous avez sans doute déjà vus sur toutes les chaînes. Nous insisterons en revanche sur les moments forts de cette soirée. La séquence « Te souviens-tu le tutu » avec ce génie du ballon rond, les anciens l'ont sans doute reconnu, les plus jeunes peut-être pas, et puis la deuxième division avec un match au sommet, Caen-Rouen. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Ce qui est extraordinaire, vous le savez, lorsque vous suivez un match de football dans les tribunes, c'est le côté émotionnel. Et si le spectacle est de qualité, eh bien vous pouvez passer 1h30 durant par de multiples phases qui vont de l'euphorie au plaisir, l'anxiété, la révolte, la tristesse, la déception, bien sûr, et bien d'autres encore. Tout cela pour vous dire que mercredi dernier, il y a eu beaucoup d'émotions sur tous les terrains d'Europe, car vous le savez, plus le match est important, plus l'émotion est forte. Enfin, généralement. Et pour un quart de finale aller de Coupe d'Europe, pas de doute, on doit vibrer à plusieurs reprises dans les tribunes. C'est généralement le but qui vous donne l'émotion la plus forte, surtout lorsqu'il est important et qu'en plus il est marqué 2 minutes avant la fin du match, comme ici avec De Grise qui donne l'égalisation au FC Bruges contre le Panathinaikos à Athènes. De l'émotion dans les tribunes, sur le terrain bien sûr, et même sur le banc de touche. Mais il n'y a pas que le but, heureusement d'ailleurs. On a hurlé par exemple à Athènes lorsque le gardien belge Van de Waal a pris le ballon pour une savonnette. Les gardiens de but nous font souvent vibrer. Et à propos de savonnette, regardez le gardien du Dynamo Minsk contre le FC Malines. Remarquez, là, c'était assez difficile. Toujours le gardien de Minsk, cette fois en deuxième mi-temps, il s'appelle Satskunkevich et il a été incontestablement le meilleur gardien de cette soirée européenne. Regardez, une première fois et une deuxième, et votre cœur qui monte, qui descend et qui remonte instantanément. Que vous soyez supporter de Malines ou de Minsk, pas de problème. Avec Satskunkevich, l'émotion est intense. Le football, c'est ça, et on se régale. Le scénario n'est jamais écrit à l'avance, vous le savez, et contrairement à un film, par exemple, le héros ne sort pas toujours vainqueur. Le héros de cette soirée, par exemple, s'inclinera tout de même à la suite d'un tir de De Wilde. Cet unique but est en plus inscrit à la 87e minute. On a vraiment vibré mercredi dernier à Malines. Et au stade olympique de Munich alors, Matthäus et les Rouges sont aux anges, 3-0 après 48 minutes, le Bayern semble intouchable. Et puis, à 5 minutes de la fin, l'air de rien, Butragueño réduit la marque. Et puis, 4 minutes plus tard, le meilleur gardien d'Europe commet une erreur de débutant sur un tir de Sanchez. Ça aussi, c'est le football. Au cinéma, si l'acteur est mauvais, on refait une prise. Le football, c'est comme le théâtre, on est constamment sur le fil du rasoir. Et quand on perd l'équilibre, on se casse une jambe, comme l'entraîneur du Bayern Leverkusen, Ribéry. Leverkusen-Barcelone, pas de but, et pourtant des occasions, comme ici le capitaine Rolf qui arrive seul devant Zubizarreta. C'est le genre d'action qui vous fait bondir, car dans un tel contexte, on croit toujours au but, comme ici encore, avec une action de Malines contre ce diable de Satskunkevich, ou encore, vous allez le voir, Benfica avec Magnusson. Votre cœur en prend un coup, et ce sont des de déception si vous êtes du côté du tireur, et des de soulagement si vous êtes supporter de l'équipe d'en face. Restons dans ce match Benfica-Anderlecht. Vous assistez ici à la plus belle accélération de ces quarts de finale aller. Bel enchaînement de dribbles signé Chiquinho. C'est le grand blond Magnusson qui ouvrira la marque dans cette partie à la suite d'une jolie tête à la 16e minute. Le deuxième et dernier but de cette soirée d'ailleurs sera réussi au stade de la Luz par Chiquinho. Pourquoi vous montrer ces deux buts? Tout simplement parce qu'ils ont été marqués à 2 minutes d'intervalle. Quelle émotion! Votre cœur reprend son rythme normal et pan! 2 minutes plus tard, il repart de plus belle. Dans le registre émotion forte, les arbitres jouent également un rôle important. Ici, un attaquant belge est fauché. Pénalty indiscutable. Non, dit l'arbitre. Et en plus, il donne un coup franc à Benfica.
incroyable. Mais il y a mieux. D'abord, la plus belle toile de la soirée. Et ensuite, cet attaquant de Minsk qui est bousculé. L'arbitre ne dit rien et le soviétique, déçu, vous allez le voir, touche légèrement Prodhomme, le gardien belge. Bon, ce n'est ni très violent ni très méchant. Eh bien, l'arbitre expulse le soviétique. Donc, soulagement d'un côté, sentiment de révolte de l'autre, émotion, émotion. Et pour terminer, le but le plus laborieux de ces quarts de finale aller réussi par le Steaua Bucarest contre les Glasgow Rangers. Le Steaua l'a emporté 2-0. Il s'agit du premier but marqué à la 3e minute. Regardez, les Bleus qui renvoient une première fois, une deuxième fois. Ce n'est pas terminé, une troisième, mais les Rouges sont toujours en possession du ballon. Un bleu, un bleu, un bleu et un rouge, c'est Piturska, le Steaua Bucarest, donc l'emporte 2-0. Mais mon Dieu, que d'émotion, il n'y a pas à dire, le football, c'est super, enfin, ça peut l'être. Voyons maintenant les performances des deux clubs français, OM Rovaniemi avec Pascal Pro et Bordeaux contre le PSV Eindhoven avec l'ordinateur. Cette petite machine qui va peut-être mieux nous faire comprendre le relâchement de Jean Tigana et les siens après une première demi-heure de toute beauté. C'est d'ailleurs au cours de cette première demi-heure que Bordeaux avait ouvert la marque par Touré. Un but logique puisque Bordeaux s'était déjà créé deux ou trois occasions, le plus souvent avec Ferreri. À la 41e minute, c'était, vous le savez, l'égalisation de Kieft. Mais déjà, le PSV contrôlait le jeu depuis un bon bout de temps. Vous avez sans doute remarqué que Bordeaux a souvent attaqué sur le côté droit avec Ferreri et Touvenel, mais également Vujovic en première mi-temps. Là, nous sommes en deuxième période. Coupons le terrain en quatre horizontalement. Bordeaux attaque sur la droite avec l'ordinateur et notre collaborateur Claude Doucet. On constate que 23% des actions se sont déroulées sur l'aile droite. 37%, c'est énorme, sur le milieu droit. 28% sur le milieu gauche et 12% seulement sur l'aile gauche. L'équipe qui occupe idéalement le terrain, évidemment, réussit 25, 25, 25, 25 ou tout au moins s'en approche. Là, il y a vraiment déséquilibre. 12% des attaques sur le côté gauche, c'est peu. Vraiment peu. Sur le côté gauche, généralement, Zoran Vujovic monte énormément. Victime du pressing néerlandais, d'un adversaire direct dangereux et d'une légère baisse de forme, cela n'a pas été le cas mercredi dernier. Là encore, l'ordinateur est formel. Regardez avec qui ont joué le plus souvent les cinq défenseurs bordelais. Touvenel lui prend appui sur Touré, 14 passes. Roche avec Tigana, 13 passes. On progresse donc. Ce n'est pas le cas pour les trois autres. Rohr avec Touvenel, 4 fois. Sénac avec Roche, 12 fois. Et surtout, Zoran Vujovic avec Roche, 7 fois. Alors que normalement, c'est avec son frère Zlatko qu'il joue l'essentiel du temps. Et si Zoran n'a pas beaucoup joué avec Zlatko, c'est aussi parce que Zlatko n'est pas au mieux. Ici, après avoir effacé Guéretz, il aurait pu poursuivre son action, essayer de déborder. Il centre tout de suite. Remarquez, là, ça réussit encore puisqu'il y a une tête de Touré. Le système offensif bordelais est essentiellement axé sur Zlatko. Cela avait été flagrant lors du match retour contre le Dynamo Berlin en début de saison. Il avait multiplié les appels de balles et avait reçu 53 ballons, ce qui en faisait le joueur de Bordeaux le plus sollicité. Mercredi dernier, nous étions loin de ces 53 ballons. Guéretz y était sans doute pour beaucoup, mais on le sait, Zlatko Vujovic connaît actuellement une baisse de régime, un peu comme son frère. Donc, ce sont vraiment de vrais jumeaux. Voilà, il est toujours obligé de prendre appui sur sa défense. Avec deux Vujovic en grande forme, avec un Jean Tigana à 100% de ses moyens pendant 90 minutes, Bordeaux avait peut-être une chance. Mais pour ne rien arranger, vous le savez, le capitaine bordelais a été victime d'une belle semelle en première mi-temps. Maintenant, découpons le terrain en 16. Bordeaux attaque toujours vers la droite. Vous allez voir maintenant dans quelle zone se trouvaient le plus souvent certains joueurs de Bordeaux. Touvenel, par exemple, qui a été omniprésent. 27 fois dans cette zone, 18 fois dans celle-ci, et à l'extrême droite, en position de débordement, 9 fois. Ferreri, 9 fois, 9 fois, 11 fois. Sur l'aile droite, 7 fois, et vers le centre droit, 8 fois. Touvenel et Ferreri, mais également Tigana, le milieu droit, ont mieux combiné en deuxième mi-temps. Ici, Touvenel poursuit son action et a bien profité du couloir laissé libre par Ferreri. Mais en première mi-temps, c'était beaucoup plus compliqué. Il y a donc Touvenel, nous reprenons l'extrême droite du terrain, Ferreri, vous l'avez vu, mais également José Touré, là dans les deux mi-temps. 18 fois ici, 13 fois là, et également Gernot Rohr. Alors, la position de l'herbie a beaucoup étonné, puisqu'on l'a vu le plus souvent arrière-gauche. Mais le PSV, jouant avec seulement trois défenseurs, il y a fort à parier que cela était voulu. Nous vous rappelons d'ailleurs qu'avec le Danemark contre la France au Parc, lors de l'Euro 84, l'herbie jouait déjà quasiment arrière-gauche. Et comme Touvenel est très offensif, comme Touré affectionne également les grandes courses sur le côté droit, l'herbie devait rester près de cette zone. Le problème, c'est que Rohr a joué ailier droit quasiment, et que cela faisait dans un sens l'affaire de l'herbie.
L'herbi au départ ne devait que gêner Touré, comme ici, ou fixer Touvenel. Avec Rohr en plus, il y avait trop de monde et Touvenel avait beaucoup de mal à être dangereux. Il manquait d'espace. Mais regardez, lorsque Rohr repique vers le centre, comme ici, l'herbi est obligé de le suivre et c'est l'idéal pour Touvenel qui peut enfin profiter du couloir. Cela n'a malheureusement pas été souvent le cas en première mi-temps. Côté gauche, on vous l'a dit, c'était le désert. Zlatko Vujovic repiquait le plus souvent vers le centre. Zoran n'insistait pas, donc pratiquement aucun débordement sur l'extrême gauche. Enfin, il faut reconnaître que le PSV était très très fort et comme ces messieurs n'ont pas fermé le jeu, le match a été de grande qualité. Pour un bon match, il faut deux belles équipes, ce qui n'a pas été le cas à Lecce. Enfin, outre la victoire, il y a un autre côté positif, comme va vous l'expliquer Pascal Praud. Le milieu de terrain marseillais se l'éclaircit dans le ciel sombre de Lecce pour l'OM face à Rovaniemi mardi soir. Quantité, qualité, mais aussi diversité des talents avec Alain Gires bien sûr, Abedi Pelé, Djengini, Foster en position avancée sur ses défenseurs centraux. Enfin le Benjamin, Benoît Coué. Résultat, une supériorité technique des Marseillais qui aura pour conséquence de faire courir et d'épuiser les Finlandais. Illustration de la force de frappe du milieu de l'OM, Gires pour Coué, de nouveau Gires pour la tête de Jean-Pierre Papin. Le ballon brossé du pied droit du capitaine de l'OM est l'unique but de la rencontre. Abedi Pelé lui a surpris dans un registre différent de ce qu'il fait habituellement. Devant, il est fort, ce que l'on savait déjà, ici une 2 avec Alos. Le tandem des étrangers de Marseille se retrouve quelques minutes plus tard, sans toujours conclure en première mi-temps. Pelé l'artiste avec un petit pont et une cuillère entre trois Finlandais. Et ils vont être un de plus pour l'empêcher de s'en sortir. Après tout, seul contre quatre, ça peut être plus difficile, mais ça passe toujours. En revanche, personne ne l'imaginait aussi à l'aise dans des tâches défensives, en tacle ou à la récupération. Il a récupéré en effet 16 fois le ballon, plutôt bien pour un joueur offensif. Il ne l'a perdu qu'à 9 reprises et 83 fois, il l'a touché comme ici avec, il est vrai, une remarquable couverture de balle. Finalement, il sait tout faire, se peler, même défendre. On s'en était d'ailleurs rendu compte lors du match de reprise contre le Matra Racing au stade de Vélodrome. Nous attaquons maintenant le championnat de France, 27e journée, avec une équipe très mal classée. On ne peut plus mal classer, le Havre qui recevait le Dauphin de Monaco, c'est-à-dire le Matra Racing. Jean-Michel Larquet était sur place. Le Havre Matra Racing, et contrairement aux idées reçues, les Havrais, bien que se sachant condamnés, n'ont pas négocié ce match à la légère, bien au contraire. Ce sont eux qui, dès le départ, prennent les meilleures initiatives sur le but de Pascal Olmeta, sollicité ici sur un tir de Moreau, excellent hier au soir. D'ailleurs, plusieurs situations confuses vont se produire dans la surface de réparation du Matra sans que pour autant les Havrais ne réussissent à trouver une quelconque ouverture. Et comme souvent, pareil cas sur l'une des rares contre-attaques, le Matra, juste avant le repos, va se montrer menaçant. Centre en retrait d'Oum Pierrez, reprise de Ben Mabrouk. Casanova en deux temps détourne en corner et préserve donc le nul au repos, 0-0. À la reprise, même scénario, longue balle de l'extérieur du pied de Moreau pour Huvenard. Mauvais renvoi de la défense du Matra, Llorens en pleine course adresse une frappe que ne peut maîtriser Olmeta et Fernandez est obligé de mettre en corner sous la menace de Pain. Sur le corner, ballon prolongé par Delaunay, Pascal Pain arrive trop tard. Mais les coups de pied arrêtés, c'est la spécialité du Matra. Coup franc de Fernier, tête smatchée de Crimaud, on joue depuis 75 minutes. But de Crimaud que l'on va revoir et qui l'an prochain risque d'accueillir à ses côtés un autre international marocain qui devrait être le milieu de terrain, Aziz Bouderbala. Mais le Havre ne veut pas succomber sans se battre jusqu'au bout. Le ballon est arraché des pieds de Mahut et Thiéhi, pendant les arrêts de jeu, remet les deux équipes à égalité. Un beau cadeau pour ce jeune avant-centre qui, dès aujourd'hui, rejoint le Maroc et la Coupe d'Afrique des Nations, et réconfort pour un président qui prépare d'ores et déjà l'avenir. La mentalité havraise est toujours présente. Et ce qui me fait le plus plaisir ce soir, c'est sur deux points. La première, c'est que nous avons su nous battre jusqu'à la dernière seconde, puisque nous égalisons au coup de sifflet final, pratiquement. Et la seconde, c'est que ce match s'est déroulé quand même avec cinq jeunes garçons, et je crois que ça, c'est un regard tourné vers l'avenir qui est très encourageant. Vous avez déclaré que Didier Nonto ne serait plus le responsable de l'équipe Fagnon l'année prochaine. Vous avez une idée sur son successeur? Non, pas encore. Je crois que c'est un peu tôt. Rien n'est encore arrêté dans ce domaine. Et je pense que c'est une situation qui se dénouera dans les semaines qui viennent, mais pour l'instant rien n'est fait encore.
C'est dur, sans doute, pour Didier Nauto, qui a réalisé de très très bons résultats au Havre. Mais là, il faut peut-être effectivement un choc psychologique, il faut peut-être un petit changement pour relancer cette équipe qui n'a pas eu beaucoup de réussite depuis le début de saison. Le PSG, vous le savez, on reste avec les équipes mal classées, a réalisé un bon match nul à Bordeaux la semaine dernière. Mais Toulon restait sur deux victoires, toujours redoutable, cette équipe toulonnaise. Bernard Renault au Parc des Princes. Ah mon Dieu, quelle première période ennuyeuse, un match comme la lune. 8000 personnes criant comme 8200, bref, pas de quoi faire monter la température dans un Parc des Princes largement refroidi d'une part par les résultats du PSG, d'autre part par une petite bise polaire. 8e minute, bouffée de chaleur pourtant. Corner de Calderon et super tête de Mendy contre son camp, Borrelli, pas celui du PSG mais celui de Toulon, intercepte. Visiblement troublé par son erreur, Mendy va de nouveau donner un coup de pouce au destin. Cafouillage avec Pardo, Renault surgit et file vers le but. Tir du gauche, 1-0. Le PSG, heureux, heureux. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Mais bizarrement, loin de libérer les Parisiens, le fait de mener à la marque va les paralyser. Du coup, la rencontre devient franchement mortelle. Pas sans retrait de Tanasi. Ne voulant pas être en reste, les Toulonnais font exactement la même chose. Casoni redescend le terrain vers son camp. Côté prime et prise de risque, 0 plus 0 égale PSG Toulon. Mi-temps donc 1-0, changement de décor en deuxième période. Les bleus sont à droite, les blancs à gauche. Première alerte vraiment sérieuse pour Joël Batz sur une action toulonnaise. Rabat sauve en corner. Le PSG réagit bien, la rencontre devient alors animée. Et sur une montée de Tanasi, Zuereb va rater un but vraiment tout fait. Et voilà comment on rate une balle de 2-0. 60e minute, touche de la droite de Bibar. Zuereb prolonge de la tête. Simba oblige Borrelli à mettre en corner. Paris, on l'avait presque oublié, mène toujours 1-0. Et Gérard Rouillet n'est pas content du tout. Quelque chose ne va pas. Il n'est pas content du tout car les Toulonnais ont passé la vitesse supérieure. Ginola dans ses œuvres. Batz dans les siennes. Batz de nouveau, mais cette fois devant Joël Henry. Ça repart aussitôt par Zuereb. Excellent hier soir. Centre en retrait, Calderon au-dessus. Score final 1-0. Tout le monde est content. On aurait pu égaliser en deuxième mi-temps sur deux actions, mais ça aurait quand même été injuste pour le PSG sur la physionomie de la partie. Actuellement, ce qui me fait le plus plaisir, c'est le comportement des joueurs sur le terrain. Parce qu'un match, ça tient toujours à très peu de choses. Même si on avait fait match nul, le type de match qu'ils ont joué, c'est ça qui fait plaisir. Allez, je retire tout ce que j'ai dit. Puisque tout le monde est content, finalement, ce match n'était pas comme la lune. Un petit break avant de poursuivre le championnat. Les perles, vous le savez, se trouvent dans les huîtres. Et les huîtres se trouvent, vous serez toujours d'accord avec moi, dans la mer. Or, Martin Zara, qui se trouvait récemment au Maroc, a trouvé une perle, qui plus est, une perle noire, et cela en pleine ville. Une perle noire qui, bien entendu, a un rapport avec le football. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Le Maroc, par ses résultats acquis l'an dernier au Mondial mexicain, a permis à l'Afrique de s'affirmer peut-être comme l'avenir du football. Cette génération actuelle doit beaucoup au passé, car au Maroc, le football fait plus qu'ailleurs partie du patrimoine sportif et culturel. Alors, comment oublier Larbi Ben Barek, le premier joueur professionnel marocain? Ben Barek, qui après une carrière de 15 ans, vit aujourd'hui oublié par tous dans un quartier populaire de Casablanca. Ben Barek, seul avec ses souvenirs. Eh bien, le football, dans le passé, c'était une question d'histoire. Et une question d'amour. On n'avait pas d'argent, mais on jouait le football pour le plaisir. Mais grâce au football, on est devenu quelqu'un. Vous avez vu le nom de Ben Barek à travers le monde entier? Eh bien, j'ai joué pieds nus ici. Des pieds qui lui ont valu un surnom, la perle noire. Marseille, le Stade, l'Atlético de Madrid et de nouveau l'OM. Trois clubs pour une carrière professionnelle. 17 sélections en équipe de France, la dernière contre l'Allemagne en 54 à 41 ans. Mais ses racines sont ici, à Casa, proche d'un autre géant du sport de l'époque, Marcel Cerdan. C'était comme des frères. Et le plus beau de tout ça, son père, il a voulu qu'il soit boxeur, mais pas footballeur. Mais qu'il était footballeur sensationnel.
Et même à la même occasion, il avait une sélection du Maroc. Marcel Cerdan, sur corner, c'est lui qui a marqué le but d'égalisation contre la France. Si vous aviez un souvenir à nous raconter, ce serait lequel? Un seul. Des souvenirs incroyables. Mais parmi les meilleurs souvenirs, quand je suis allé en France, et les copains marocains m'ont dit, l'armée, qu'est-ce que tu vas faire en France? J'ai dit, je vais jouer dans l'équipe de France, en 1938. Comment? J'ai dit, je vais jouer en équipe de France. Trois mois, j'ai joué en équipe de France. C'était le 22 janvier contre la Pologne, on les a battus par 4 à 0. À 73 ans, retraité à Casa, Ben Barek a du mal à oublier le passé. Un passé qui lui a tout offert, sauf peut-être le plus important, l'argent. Et vous aimeriez jouer actuellement? J'aimerais jouer à cause du pognon. Mais je ne changerai pas avec mon époque, parce qu'on avait des souvenirs inoubliables. Et les joueurs qu'il y avait auparavant, c'était beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Il y a beaucoup de propagande que de footballeurs sensationnels. Maradona, moi je trouve que c'est pas un... Il est bon, c'est tout. Platini aussi, c'est un ami, c'est un machin. Il tape pas de la tête, il tape pas du pied gauche. Et quand on prend le ballon, il tombe. C'est pas normal. Ainsi, celui que l'on a surnommé la Perle Noire, et qui fut en son temps ce qu'est le fameux Pelé de nos jours, reste en contact avec cette petite sphère de cuir à laquelle il doit tout, un ballon de football. J'avais mon nom dans les journaux, on parlait de moi, j'étais dessus devenu quelqu'un. Eh bien, la guerre seulement est venue bien automatiquement, c'était en 39, mois de septembre. J'ai tout retourné sur Maroc. Une guerre qui, comme pour toute une génération de footballeurs, a gâché sa carrière. En 39, Ben Barek avait 25 ans. Les bons résultats actuels du Maroc ne le laissent pas non plus indifférent. Pour l'expliquer, une fois de plus, le personnage Ben Barek prend l'ascendance sur le footballeur. 14e siècle déjà, le Maroc et les musulmans y jouaient de football déjà. 25 siècles avant Jésus-Christ, le football marocain, le football, il est précité. Avec la Chine, on va prendre aujourd'hui le football. On l'a dans le sang, le football. Mais il manque le conduite. Voilà, en tout cas, il a son franc-parler. Ben Barek, Maradona, bon, il n'est pas terrible sans plus. Platini, de la tête, bon, pied gauche. Dès qu'on le touche, il tombe, c'est pas normal. En tout cas, un personnage bien sympathique qui a été gravement malade il y a 2 mois. Mais heureusement, aujourd'hui, tout va bien. Et je crois que c'est le genre de sujet qui a dû faire plaisir du côté du stade Vélodrome, du côté de Paris également. D'ailleurs, on y retourne au stade de Vélodrome avec Marseille qui marche très, très fort. 2 victoires, vous savez, en championnat, notamment à Saint-Etienne la semaine dernière. Une victoire en Coupe d'Europe, laborieuse, mais enfin, victoire quand même. Et puis le FC Nantes qui a aussi quelques petits problèmes actuellement. Philippe Houy au stade de Vélodrome Marseille-Nantes. OM Nantes, 25 000 spectateurs pour un très grand match. Les Marseillais avaient une revanche à prendre. À l'aller, ils avaient perdu 5-0. Là, ils n'ont pas pris de risque. Pressing d'entrée, petit numéro de Gires pour Papin et une première mèche sur laquelle Marot s'en sort avec difficulté. Le gardien nantais va être très sollicité dans ce début de rencontre. À l'origine de chacune des actions de l'OM, Alain Gires qui distribue de très bons ballons. Là pour Alofs, changement d'aile d'Alofs et nouvelle reprise de Papin bien détournée cette fois par Marot. Un but, il va y en avoir un dès la 14e minute sur ce coup franc de Gires. Mais regardez bien, Papin va contrôler le ballon de la main avant de le mettre au fond. L'arbitre M. Zirog avait le bon œil, il a très justement refusé ce but. Les joueurs de Gérard Banin ne se découragent pas pour autant, Papin surtout. Belle frappe, de beauté, sauf sur sa ligne. 4 occasions donc, rien que pour Papin, mais toujours pas de but. Les Nantais, eux, souffrent, mais ils tiennent et ils réussissent à placer des contres très dangereux comme celui-ci. Tierno Youm prend tout le monde de vitesse, rentre dans les 16 mètres, bon tir, mais sur le petit filet. On croit rester sur ce score de 0-0 à la mi-temps. Erreur sur ce dégagement de Marot. Papin réussit un nouveau tour de force. Il résiste à Comboiré, efface Bad, centre pour Diallo au premier poteau. 1-0 pour l'OM qui a vraiment donné l'impression d'avoir trouvé le bon rythme. Depuis le début, un petit peu, l'entraîneur cherchait plusieurs formules et c'était un petit peu logique parce que l'équipe ne tournait pas. Là, je crois qu'il a sorti une équipe à peu près idéale et je pense qu'on arrive à se compléter, à bien se trouver maintenant, des automatismes se créent et ça fait que l'OM tourne maintenant en plein régime. Confirmation au retour des vestiaires, Gires pour Alofs, l'Allemand de l'OM efface Der Zakarian, Tiss, tir croisé, Marot est surpris, 2-0. Pour Marseille donc, et gros bonheur pour Alofs qui n'avait pas marqué depuis 4 mois. Apparemment, il a retrouvé le bon pied. 2 minutes plus tard, il est tout prêt de réussir le doublé.
Mais cette fois, sa frappe est passée à côté des buts nantais. Ensuite, l'OM va baisser un petit peu de rythme. Nantes en profitait pour se créer quelques occasions, notamment par Anziani. Mais le roux, là, s'est jeté. Fausse alerte donc seulement pour Marseille, qui va réussir un troisième but à 7 minutes de la fin du match sur ce dégagement de Joseph Antoine Bell à la main. Contrôle de Papin de la poitrine, il est seul contre trois Nantais. Il s'en sort avec un petit peu de réussite au début, mais avec beaucoup de talent ensuite. Extérieur du pied droit, Marot est battu une nouvelle fois. 13e but pour Papin. 3-0 pour Marseille qui réussit un sans faute depuis la trêve. En revanche, 10e match sans victoire pour Nantes. Ça fait un moment qu'on ne gagne pas, ça fait un moment qu'on ne marque pas. Et c'est sûr que perdre à Marseille par ce score-là, bon, c'est dur pour nous. Et maintenant, vous retrouvez 3 points seulement devant le barragiste. Ben c'est sûr que maintenant, bon, ça va être difficile pour nous. On a un match vendredi là, contre Bordeaux. Il faut absolument le gagner pour qu'il y ait ce petit déclic là, qui nous redonnerait confiance et surtout la joie de jouer qu'on a perdu. Un match capital donc contre Bordeaux et en tout cas du grand Jean-Pierre Papin qui passe d'ailleurs au passage en tête du classement des buteurs avec 13 buts. Une petite page de publicité et on se retrouve ensuite avec le match du jour, la suite du championnat, donc un petit tour en Afrique et puis également la deuxième division. A tout de suite. Les vélos Décathlon sont conçus pour les cyclistes exigeants. Enfin, dans des conditions normales d'utilisation. Et à ce prix-là, magique, vous pouvez toujours pédaler. Au Banco, il faut des repas solides. Ils s'entraînent sans compter. Les chiens d'action comptent sur Loyal. Ça secoue la gourmandise. Quand on descend du train, qu'on veut louer une voiture, il faut sortir de la gare, marcher, marcher. Heureusement, Avis s'est installé dans les gares. Vous sautez du train et en voiture. Avec Train plus Auto, le seul loueur dans les gares, Avis est décidé à faire 1000 fois plus. Dans vos magasins, jouez au grand jeu gratuit Loyal. Les chiens d'action comptent sur Loyal. Bonjour monsieur, vous pouvez me donner un luthi? Elle vient le chercher. Un luthi d'offert, c'est un luthi perdu. Menti de luthi! Aracol! Ara Restore, Ara Joins-toi, Ara des solutions solides, comme Araldit. À travers les destins de nos rois, de nos milliardaires et de nos stars, l'Olympe de notre siècle existe. De Soraya à Marilyn Monroe, de la reine Elisabeth à Brigitte Bardot, des mythes qui subliment nos rêves et nos fantasmes. Un destin nommé Hirohito, dernier empereur du Japon. Katavana, l'ouragan de l'outillage. Katavana, plus de 300 outils sur catalogue. Katavana.
Monaco se distingue régulièrement dans ce championnat, vous le savez, mais il y a quand même un petit problème au niveau de l'efficacité offensive. On dirait que Youssouf Fofana et Marc Attley ont perdu les clés du labyrinthe qui les sépare du but adverse. Suivez maintenant Martin Zara donc pour le match du jour entre Monaco et Cannes. Pas non plus l'exemple, pas le moindre but marqué en deux journées de championnat et seulement trois lors des six dernières rencontres. Monaco accusé de jouer à l'économie et procès à ses attaquants, accusé également d'inefficacité. Des occasions, oui, des buts, non. Plus que l'avocat général, je vais me faire l'avocat du diable si je dis que Monaco est un gagne petit. Personnellement, je pense que gagne petit. C'est quelqu'un qui n'essaye pas de faire son métier le mieux possible et qui le fait sans beaucoup de rigueur et sans beaucoup de motivation et sans beaucoup d'ambition. Je dirais que ça ne s'applique pas du tout à mon équipe. Ce qui est vrai, et je ne le réfute pas, c'est que les derniers temps, nous avons été moins souverains pour marquer des buts. Voici un document, le dernier but marqué par Monaco il y a presque trois mois, c'était contre le PSG. Jean-Luc Ettori, est-ce que vous accusez un peu vos attaquants de ne pas marquer de but? Vous êtes obligé de défendre, de garder votre cage inviolée? Non, je crois qu'il ne faut pas incriminer deux ou trois joueurs seulement. Je crois que c'est toute l'équipe. Je crois qu'en ce moment, et certains, on est un peu en panne d'efficacité. Mais enfin, je crois que c'est dû au fait qu'on n'arrive pas bien à s'exprimer. On a peut-être une petite perte de confiance en nos moyens. Arsène Wenger peut évoquer comme circonstances atténuantes les deux opérations subies par Marc Attley, l'avant-centre anglais ici en pleine discussion avec Sonore. Attley retrouve tout doucement l'ensemble de ses moyens, tout comme Fofana, également remis depuis peu d'une blessure. Mais Jean-Luc Ettori a raison, c'est avant tout un problème de confiance, un problème d'équipe. Place maintenant au rachat contre Cannes. En tant qu'avocat général, je demande deux buts ou plus contre Cannes. J'espère que votre vœu sera exaucé et que votre demande sera exaucée. Personnellement, j'ai confiance parce que je sens que l'équipe a envie de réussir quelque chose et que ce ne sont pas 2-0-0 à l'extérieur qui vont me faire croire que l'équipe est moins motivée, qu'elle a moins de possibilités. Je crois toujours autant en elle et toujours autant en la mentalité des joueurs que j'ai à ma disposition. Et Arsène Wenger a toutes les raisons d'être confiant au moment du coup d'envoi. Son équipe est quasiment au complet, seulement Claude Puel claqué. L'entraîneur monégasque attend en plus une réaction de la part de ses joueurs. Et d'entrée de match, les Canois vont les aider en commettant quelques erreurs. Ici, Lacuesta est contré, il donne en retrait et Attley se retrouve tout seul face à Morisseau. Il l'évite facilement, mais il se désaxe trop. Son tir ricoche sur le poteau. On joue depuis moins de 30 secondes. 7 minutes plus tard, deuxième erreur de la défense canoise, c'est De Bruyne qui veut donner à son gardien. Attley est le plus rapide, son pied est accroché par Morisseau, pénalty indiscutable. Un pénalty que Marc Attley transforme lui-même, mais on ne sait pas pourquoi Monsieur Lartigot le fait retirer, ce qui fait sourire et Morisseau et Attley avec une petite tape amicale en plus. On ne s'inquiète pas, Monaco mène bien 1-0. Une deuxième fois, l'avant-centre anglais prend le gardien canois à contre-pied. Mais Cannes se reprend. En même temps que le jeu monégasque se détériore, les Canois vont se créer quelques occasions. Ici, la reprise de Lacuesta est un peu écrasée. 5 minutes plus tard, nouvelle action, partie encore de la gauche. Bellone accélère, donne à Samba. Mais Vogel compte au dernier moment l'avant-centre canois. Mais après une demi-heure de jeu, Cannes va égaliser. Sur ce corner, Primorac est monté. C'est lui qui, d'une belle tête, trompe Ettori. La défense monégasque s'est montrée bien statique. Mais la réussite est monégasque. Dans les toutes dernières secondes de la première mi-temps, Monaco marque un second but. Superbe. Talonnade de Glenn Hoddle, tir de Fabrice Meij en pleine lucarne. On le revoit avec la caméra en bas du terrain. Grâce à l'ancien Niçois et sans trop bien jouer, Monaco mène au repos 2-1. Deuxième période maintenant, et même scénario, Cannes domine, se crée des occasions, mais il manque toujours un petit quelque chose. Ici, Bellone récupère bien, donne à Samba, et sa pichenette frôle la transversale d'Ettori. Monaco subit, opère par contre avec ses deux Anglais principalement, mais rien de véritablement très dangereux.
Fofana est alors remplacé par Ferrage, l'Ivoirien pas vraiment dans le rythme, et c'est précisément Ferrage qui fait basculer le match en faveur de Monaco. Son centre trouve la tête de Deul qui, remise pour or, reprise de volée magnifique, 3-1 pour le leader qui, s'il ne se crée pas beaucoup d'occasions, fait preuve d'un terrible réalisme. Cannes ne méritait pas certainement cela. Cannes qui continue à attaquer, c'est Lacuesta ici qui est gêné au moment de frapper. Et à 5 minutes de la fin du match, Monaco ajoute un quatrième but. Une fois de plus, Ferrage sera au départ de l'action. Petite ouverture acrobatique pour Atlet. Pilorget, le stoppeur est déséquilibré. Faute ou pas faute de l'attaquant monégasque, en tout cas Atlet marque son deuxième but de la soirée. Réussite exceptionnelle de Monaco, 5 occasions, 4 buts. Mais le dernier tir sera cannois. Un tir de Bellone qui échouera sur Ettori. Bellone à l'image de son équipe, motivé, c'est vrai, mais un manque flagrant de réalisme. Oh, I'm Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. L'homme du match, cela aurait bien pu être Bellone avec ses retrouvailles avec le public du stade Louis II. Mais c'est Jean-Marc Ferrage qui nous a séduit. Rentré à moins de 20 minutes de la fin, il a dynamisé son équipe. Les deux derniers buts monégasques, c'est lui qui en est à l'origine. J'avais dit que c'était un coup de procès de... Excusez-nous Arsène, petit problème de son. L'entraîneur de Monaco dit en substance qu'on a fait un faux procès à Monaco. Au vu du résultat d'hier soir, Wenger a raison, mais ne vous inquiétez pas, l'attaque monégasque est acquittée. Et 4 buts, ça vaut bien. Les félicitations du jury. Wenger avait donc raison. On reste avec Martin Zara. Tous les buts de la soirée maintenant, il y en a eu un peu plus que d'habitude. Et c'est tant mieux. Donc Martin Zara, tous les buts de cette 27e journée. On commence par la victoire vendredi de Lens contre Saint-Etienne. 1-0, un but marqué en deuxième mi-temps par Pagal. Le rebond puis le poteau trompe Castaneda. Pas mal d'occasions dans ce match, comme celle-ci, un peu confus c'est vrai, mais pour finir, un tir de Fouto sur le poteau. Saint-Etienne aurait pu égaliser en seconde mi-temps. Tibeuf face à Gaëtan Huard, mais bel arrêt du gardien lensois qui faisait sa rentrée. Gillot sauve sur la ligne. Toulouse-Lille, moins de 7000 spectateurs et le premier but est toulousain. Avec Durand qui s'amuse sur la droite. Le tir du capitaine du TFC. Lama repousse, Rocheteau et Payard ont suivi, c'est ce dernier qui ouvre le score. Égalisation lilloise qui ressemble beaucoup au but précédent avec un tir de Jean-François Daniel. Huck repousse, mais c'est Gaston Maubati cette fois qui a suivi. Résultat, un partout. Toulouse l'emporte finalement 2-1 grâce à ce coup franc tiré par Marsico. Tête et but de Yannick Stopira. Petite victoire Montpellier-Rennes contre Laval devant un petit public et un carton jaune pour Roger Milla. 16e minute, c'est Bernardet qui ouvre le score suite à cette longue ouverture. Égalisation lavalloise en deuxième mi-temps, un peu curieuse, un long centre de la gauche, Proust est gêné, Fauché reprend, un but vivement contesté par les Montpelliérains. Des Montpelliérains qui vont tout de même l'emporter sur ce coup franc à 9 minutes de la fin, pardon. Bernardet dans la lucarne, deuxième but de la soirée pour le petit meneur de jeu de Lafayette. La surprise de la soirée à Metz, tenue en échec par Brest devant 7000 spectateurs. Hinsberger, le capitaine messin, voit Black bien démarqué. Cela fait 1-0 au repos. Précieuse égalisation pour Brest en seconde période. C'est Guérin qui marque. Guérin qui intéresse pas mal de clubs pour la saison prochaine, dont Monaco, Marseille et le Matra Racing. Excusez du peu. Cela faisait bien longtemps qu'Auxerre n'avait pas gagné. C'est fait depuis hier soir contre Nice et devant 5000 spectateurs. Premier but marqué après une heure de jeu par Vaillé-Roy sur un centre de Minaric. Et à 5 minutes de la fin, Auxerre double la mise avec une nouvelle fois au départ un centre de Minaric, mais un but de Cantona. «
17 000 spectateurs à Niort pour la venue de Bordeaux. Pas de but, mais 4 avertissements, 2 de chaque côté. Bordeaux a déçu, les Girondins sont venus à Niort pour ne pas perdre. Ils se sont montrés très prudents et ils ont réussi à prendre un point. La plus belle occasion de la rencontre pour Maurice, son coup franc touche le haut de la transversale de Dropsy. Mais Niort a pu l'emporter en fin de match. Les Chamois se sont créés pas mal d'occasions, mais 0-0 pour finir. Au classement, Monaco compte désormais 4 points d'avance sur le Matra Racing et 5 sur Bordeaux. Marseille revient à la 4e place, à 8 points de Monaco, juste devant Auxerre. Regroupement en bas de tableau, le PSG rejoint Nice à la 17e place. 2 points d'avance sur Brest et le Havre, toujours bon dernier, à 4 points des Bretons. 22 buts marqués lors de cette 27e journée, c'est bien, mais moins de 100 000 spectateurs, c'est beaucoup moins bien. L'une des plus faibles assistances de la saison. Moyenne des buts à monter, c'est un petit peu bizarre. Maintenant, le but de la semaine, enfin les buts de la semaine, car il y en a deux styles différents. De quoi faire vibrer la foule. C'est de la folie. Bon, la souplesse des doigts, c'est très important. Dans tout cas, c'est pas la main droite, c'est la gauche. En plus, il y a un stylo. C'est pratique. Eh bien, il s'agit du deuxième but de Monaco. Fofana pour Manuel Amoros, qui va solliciter un 1-2 avec Glenn Hoddle. D'ailleurs, il poursuit son action. Amoros, et on pense que Hoddle va lui remettre du pied gauche. Eh bien non, il feint tout son monde en talonnant à la manière de Chucky Gingini. Et puis Fabrice Metz, qui ne se pose aucune question. Et s'il y avait une petite toile d'araignée, là, eh bien, elle n'y est plus. Donc c'est le but de Monaco. Ensuite, celui de Marseille de Jean-Pierre Papin qui aime toujours être alerté comme ça en profondeur. Visiblement, il y a du retard, mais il y a un rebond curieux qui fait son affaire. Bon contrôle aérien de la poitrine. Porte son ballon. Deux possibilités. Extérieur droit, non, car le Nantais serait bien placé. En plus, il serait beaucoup trop excentré, Jean-Pierre Papin. Alors, il enroule bien côté gauche, mais le Nantais a quand même le dessus. Mais vous savez que Jean-Pierre Papin n'abdique jamais. Alors, il ne s'arrête pas, il poursuit son action, et cela lui réussit, puisque finalement, un autre Nantais, bien involontairement, évidemment, lui redonne le ballon. Et ça continue avec Jean-Pierre Papin, c'est très net. Il voit bien la position du gardien de but qui est sorti, il se situe bien par rapport au but. Certains auraient peut-être frappé du pied gauche ou tenté de contourner le gardien sur l'extrême gauche. Et bien lui, c'est subtil, extérieur du pied droit. Vraiment beaucoup de lucidité, le loup est ravi. Et pour ses deux buts, il ne dira qu'un seul mot. Bravo. Le footballeur d'Afrique noire nous est supérieur dans le jeu aérien. Pourtant, il n'est pas plus grand, il n'a pas une tête plus grosse, on ne peut pas dire non plus qu'il a un front plus large. Il y a un truc. Et ce truc, nous l'avons découvert entre Douala et Yaoundé, dans les petits villages où les enfants évoluent sur les terrains improvisés. Là, nous avons compris pourquoi ce sont des Popeye du jeu de tête. L'avantage de l'Afrique, c'est l'espace. Il y a toujours un peu partout des terrains vagues, donc le football sauvage existe. En France, on le sait, le football de rue, celui de Platini, Girès et de leurs aînés, se fait de plus en plus rare. Évidemment, sur ces terrains, les buts sont parfois bizarres. Très bizarres même de profil, mais ce n'est pas bien grave. Et puis, si le ballon, à la suite d'un tir canon, fracasse la transversale, on est équipé, ce n'est pas le bambou qui manque. Ici, comme partout dans le monde, les enfants imitent les adultes. Comme partout dans le monde, on adore tirer encore et encore dans les buts. Il y a un tireur, il y a un gardien, le premier shoot 10, 15 ou 20 fois, et après on inverse, et à la fin, on comptabilise. Mais ce qui est étonnant, c'est que parfois on tire avec la tête et cette fois le gardien de but devient instantanément tireur et le tireur gardien de but. Et on continue comme ça inlassablement. On peut même reprendre le ballon directement sans l'arrêter donc auparavant. Écoutez Claude Leroy. Quand je suis arrivé, j'ai beaucoup de joueurs dans l'équipe nationale mais aussi dans les clubs qui avaient des qualités de jeu de tête. Et comme je connais les difficultés ici pour s'entraîner, je me demandais comment ça promenait cette qualité qui paraissait naturelle. En fait, ce sont des qualités naturelles qui ont été super développées parce que les joueurs camerounais, dans les villages, sur 20 ou 30 mètres carrés, ont un jeu à partir des enfants et tout. Ils font du 1 contre 1, et c'est-à-dire qu'ils ont un renforcement musculaire où ils passent quelquefois 2 heures, 3 heures à jouer à 1 contre 1, et donc développant naturellement leur qualité de détente et leur qualité de frappe. Voilà, c'est donc grâce à ce petit jeu à 1 contre 1 que le footballeur d'Afrique noire possède un jeu de tête largement au-dessus de la moyenne. On frappe encore et toujours, et cela dès son plus jeune âge. En plus, il s'agit d'un jeu.
Et c'est tout jeune que l'on fait la différence. C'est comme pour la technique, c'est entre 6 et 15 ans que l'on devient fort techniquement. Après, c'est cuit, ou presque. Entre 6 et 15 ans, au Cameroun, on frappe le ballon des milliers et des milliers de fois. Après, pas de problème. Pas de problème, par exemple, pour François Omambiik. Le jeu de tête, c'est également son point fort. Lui aussi, dès son plus jeune âge, jouait au 1 contre 1 de la tête avec son frère André Cana, ici de face. Voilà, en tout cas, si cela peut donner des idées à nos jeunes téléspectateurs, le jeu de tête à 1 contre 1, grâce à ce petit jeu, on se distinguera peut-être dans quelques années dans un domaine qu'on ne maîtrise pas encore vraiment. On enchaîne maintenant avec la deuxième division et un match au sommet dans le groupe B, vous le savez, Rouen contre Caen. En fait, Caen qui recevait contre Rouen. Caen qui était deuxième, Rouen troisième, cela devait nous donner un beau spectacle et beaucoup de buts car il y avait des spécialistes. Pascal Pro. Philippe Prieur de Caen à gauche et Patrick Martet de Rouen à droite, tous les deux meilleurs buteurs du groupe B avec 14 et 22 buts. Ça devait donc marquer devant la foule des grands jours pour ce derby de la Normandie. D'ailleurs, ça part fort pour Rouen, coup franc de Jarolim, centre de Lecomte, Solois et Martet se précipitent mais manquent leur reprise de la tête. Un début de rencontre à l'avantage des visiteurs, de nouveau Solois et Lecomte dans le trou pour Pelletier, mais la réussite fuit les Rouennais. Malheureusement, c'est vrai qu'on n'a pas eu trop de réussite. Bon, c'est vrai que ce but est venu un petit peu trop tôt. Mais enfin, ça, c'est le football. Je pense qu'on peut être déçu un petit peu de la manière dont s'est présentée cette rencontre. Puisqu'on avait bien préparé, on avait bien commencé cette première mi-temps. Et puis, malheureusement, donc, ce but est venu nous contrarier. Le voilà, la source de contrariété de Patrick Martet. 22e minute, Flores centre. Sagna repousse dans les pieds d'Olivier Pichard. Hagenbach est battu. Pichard, la mascotte de Caen, rentré au lendemain de la défaite de Strasbourg lors de la 10e journée. Depuis, le stade Malherbe n'a jamais plus perdu. Dès lors, les locaux dominent cette fin de première mi-temps. Prieur sur la gauche et une tête de Nikolic, bien stoppée par l'ancien gardien du Paris Football Club et de Rouen, Ben Soussan. Mi-temps, Monsieur Femenia contrôle tout, même le ballon. En revanche, il n'a rien vu au premier malheur de Nikolic, séché en tout début de seconde période. Nikolic continuera, mais avec un bandeau. 67e minute, la meilleure occasion des Rouennais. Lecomte a tiré le coup franc, Solois une première fois, Solois une seconde, et c'est le poteau qui sauve Ben Soussan. Les malheurs de Nikolic, second épisode, l'attaquant yougoslave est agressé en dehors de toute action de jeu, mais par qui ? Eric Pécou, Sherlock Holmes, a sa petite idée. Il ne se prive pas de la dire au coupable Sagna. C'est pas chic et sympa ce que t'as fait là. Rouen toujours à l'attaque. Corner de Lecomte. Juan de l'extérieur du pied gauche, juste à côté. Prieur sur la droite. Regardez bien l'occasion la plus franche de la seconde mi-temps. Premier tir. Nikolic récupère manchette d'Hagenbach. Bicyclette de Prieur et sauvetage de Richard. Je crois que j'ai manqué un petit peu de réussite sur cette action. Mais bon, il y avait un zéro. Et puis je crois que la différence était faite avant. Une différence que Philippe Prieur aurait pu accentuer ici, mais non, on en reste à 1-0. Caen, 6 points d'avance sur Rouen jouera les barrages. Pour Rouen, ce sera plus dur. Je pense qu'on a encore un bon rôle à avoir dans ce championnat. Je pense que la troisième place n'est toujours pas inaccessible. Bon, c'est vrai que la seconde place me paraît un petit peu loin maintenant, puisqu'on vient de perdre 1-0. Mais enfin, je pense qu'en travaillant, je pense qu'on pourrait conserver quand même cette troisième place. Et oui, Rouen est maintenant à 6 points de Caen, Rouen 3e, Caen 2e, mais Caen toujours à 3 points de Strasbourg qu'il a emporté à Quimper. Il s'agit de l'unique victoire à l'extérieur, mais attention, Mulhouse qui a battu Valenciennes 1-0, rejoint Rouen à la 3e place du classement, donc de ce groupe B. Vendredi, Rennes avait battu l'Entente MF 77. Et puis dans le groupe A, alors beaucoup de surprises, pas pour Sochaux qui l'a emporté à Tours 4-1, mais en revanche, Nîmes a été battu par Bastia 2-1, c'est une demi-surprise, mais surtout Lyon battu sur son terrain par Gognon 2-0 et Monceau battu par 7 sur son terrain également 1-0 au classement. Sochaux à 12 points d'avance sur Monceau et 13 sur Lyon. Voilà, avant de se quitter, on va quand même voir quelques résultats étrangers. Tout d'abord, les résultats de la Bundesliga. On jouait pour le compte de la 22e journée. Belle victoire de l'extérieur du Borussia Dortmund. Donc, pas de changement au classement. Le Werder Bremen a toujours 4 points d'avance. Bremen qui a écrasé le Bayer Urdingen. 5 buts à 1 et 4 points d'avance sur le Bayern. Il a emporté à l'extérieur 3-0. À Nuremberg. Et puis le championnat d'Angleterre, 31e journée, là aussi c'est la même chose. Liverpool caracole en tête du classement. Liverpool qui a gagné à Londres contre Queen's Park Rangers, 1-0. Et puis aujourd'hui un match au sommet entre Arsenal
et Tottenham à Highbury. On va voir jeter un petit coup d'œil à notre sponsor. Vous avez remarqué, je suppose, qu'on a un nouveau sponsor dans Téléfoot. Enfin, un sponsor tout court. Catavana, l'ouragan de l'outillage. Plus de 300 outils. Catalogue gratuit au 05 316 316. Voilà, rien d'autre à signaler pour cette semaine de football. Si, vous savez que Jacques Chirac a reçu le président de la FIFA, M. João Havelange, récemment, et que la France, paraît-il, est bien placée pour la Coupe du Monde de 98. Je vous présente France Football, la une, avec Philippe Farjon, Bordeaux, l'heure de vérité, Europe, le retour du Real, il était temps, ça s'est passé à peu de choses. L'Afrique, le défi marocain, Téléfoot sera présent, et puis Ezel, l'horreur en témoignage. Et puis But également, qui sort mardi avec un dossier, l'après Suodo, Coco Suodo, qui fait la une, Coupe d'Afrique des Nations, également les équipes en compétition. Vraiment, cela sera sans doute une très très grande épreuve à partir du 13 mars à Casablanca et à Rabat. On parle aussi à propos du Maroc de Bouderbala. Voilà, à la semaine prochaine, ce soir, les buts étrangers, une grande page dans Sport dimanche soir. Au revoir.